What's up tout le monde, c'est Christophe Chaudin, Chanson Folie, Breaking News, à propos d'un nouveau concept qui a été d'ailleurs créé par un artiste français qui s'appelle Electric Mini. Donc en fait, ça va être tout simplement un bonsaï qui sera doté de panneaux solaires, voilà, et qui va permettre en fait à deux grosses utilisations, c'est-à-dire soit vous allez pouvoir recharger un appareil quelconque grâce à un port USB, tout ça, il va être chargé avec 1 ampère, donc ça sera la puissance en fait finalement, enfin pas la puissance parce que 100 watts, mais bref, au niveau de l'intensité, voilà, ça sera de 1 ampère au niveau du chargement. Donc il y a un port USB qui sera intégré, ou on va dire ce panneau solaire, enfin ce bonsaï finalement électrique qui nécessite aucun fil parce que forcément il va se recharger grâce à la lumière, et bien pourra se servir en tant que lampe. Et puis apparemment quand il y aura plus de lumière dans la pièce, puisqu'il aura un petit capteur sur lui, et bien il va s'allumer, il va afficher un petit truc, vous allez pouvoir choisir un peu sa couleur, tout ça peut être sympathique. C'est pour ça aujourd'hui je vous présente ce concept là, qui est pas un immense concept, mais c'est vrai que ce genre de petites choses, bah moi honnêtement ça me plairait bien d'en avoir un chez moi. D'ailleurs j'en ai déjà chez moi, alors j'ai pas des bonsaï, c'est assez différent, normalement ça se met sur le balcon par exemple, et en fait ça vous permet tout simplement lorsqu'il fait nuit, il y a des petits capteurs et ce sont des petites lampes en fait qui vont s'allumer, et elles se rechargent grâce en fait finalement à la lumière du soleil, enfin la lumière du jour. C'est vrai que c'est facile à charger, hein, et ça nécessite en fait aucun câble, et c'est vrai que ça c'est pas mal, parce que déjà bah vous consommez pas d'électricité, mais bon après faut qu'il fasse beau, alors après ça demande pas vraiment un beau soleil, hein, ça veut pas dire que forcément il faut attendre à ce qu'il fasse super beau pour que votre matériel va capturer l'énergie. Non, il suffit juste un peu de lumière, tout ça, et puis au bout de quelques heures votre appareil va pouvoir marcher. En tout cas par exemple l'appareil, si vous le laissez toute la journée dans un endroit plutôt allumé, ou alors dans une pièce où il y a un peu de lumière, et bien pendant la nuit tout ça il va rester allumé. Excusez-moi. Donc on va dire que c'est un concept plutôt pas mal. Alors il n'y a pas d'énormes caractéristiques, c'est juste bon, il a plutôt un design plutôt cool, avec des belles petites fonctionnalités comme je vous ai dit, avec ce port USB ainsi que la fonctionnalité de s'allumer en tant qu'une lampe. Donc c'est pas mal en fait, finalement c'est un générateur d'électricité si on revient là-dessus. Alors en fait ça sera un bonsaï, donc en gros pour les gens, bah je pense que vous savez ce que c'est un bonsaï, sauf que les branches seront dotées donc bien sûr de panneaux solaires à laquelle c'est flexible, et c'est pas mal aussi. C'est-à-dire que bon bah voilà, ça, on va dire que bon l'apparence il est plutôt cool, et puis même au toucher ça va être pas mal, mais bon après c'est pas quelque chose franchement que on va vraiment noter là-dessus, hein, c'est vraiment quelque chose bon voilà, en tout cas à mon avis ça c'est dans un appart moderne, tout ça ça pourrait vachement bien y aller, et puis bah voilà, je trouve que c'est plutôt sympa comme concept. En plus c'est un artiste français, c'est vrai que on retrouve normalement des artistes anglais, des géants là-dedans, et là forcément je me suis dit ah tiens, un artiste français il a fait un petit concept, tout ça. Bon le concept en lui-même, il est pas encore sorti. Enfin, c'est juste un concept, c'est-à-dire qu'il est même pas encore sorti en vente, tout ça, parce qu'en fait, ils sont en train de faire des collectes de fonds sur Indiegogo, qui s'appelle comme ça le site. Donc c'est Indiegogo, à laquelle voilà, ils font des collectes de fonds. Donc je le mettrai pas dans la description parce que je suis pas là pour faire de la pub ou autre. Donc si vous êtes intéressé pour participer à ces fonds-là, vous allez sur le site. Mais en tout cas, c'est vrai que le concept en lui-même, moi honnêtement, j'adhère énormément. Et j'en ai d'ailleurs deux en fait sur mon balcon, sauf qu'ils sont pas ils sont pas comme ça. C'est pas un bonsaï, quand en plus ça fait longtemps que je voulais un bonsaï, donc tu te dis bon après voilà, ils ressemblent pas à un bonsaï aussi, mais bon ça a la forme un peu d'un bonsaï, d'un mini arbre, et qui est doté voilà de, au lieu d'avoir des, on va dire des petites branches, tout ça, bah voilà, en fait ici c'est tout simplement en fait des panneaux solaires. Voilà, en tout cas c'est un petit concept que je vous ai présenté aujourd'hui, donc plutôt cool. Dites-moi ce que vous en pensez, tout ça dans la barre des commentaires. Ah, oh, c'est un petit truc. Je suis d'accord avec vous. Excusez-moi, je viens de manger en fait, et là j'ai un peu, voilà, faut que je prenne l'habitude là. Donc voilà, merci pour tous les gens, merci d'être un petit j'aime à la vidéo, ça fait super plaisir. Surtout des petits sur ma page Facebook personnelle. Puis je vous dis à ce soir, à la prochaine, ciao ciao, peace out.